Bonjour, donc ici nous allons voir la deuxième variante de tri par sélection. Donc nous avons dit dans la séquence précédente qu'il y a deux méthodes qu'on va voir ici de tri. Donc, en fait, il y a plusieurs algorithmes, il y a plusieurs méthodes, mais ici on va présenter deux méthodes. La première c'est tri par sélection et la deuxième tri par bulle. Donc le tri par sélection, on a vu la première variante, c'est la recherche d'indices du minimum et par la suite permutation. Dans la deuxième variante, on va faire la recherche et permutation en même temps. Comment? Donc on prend l'exercice précédent, la solution précédente, donc, ou dans lequel on cherche la recherche de position du minimum. Par la suite, une fois trouvée, si la position du minimum est différente de i, on fait la permutation. Donc je vais faire save as, je vais garder le fichier, le programme, je vais faire save as et je vais faire ici tri 2. La deuxième variante, tri par sélection numéro 2. Très bien. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est que on va faire le parcours. Maintenant, dès que je trouve un t du i inférieur, un t du g inférieur à t du i, il n'y a plus la position du minimum. Je supprime la variable position minimum. Sur le champ, dès qu'on trouve ça, on va faire un begin et on va faire la permutation sur le champ. Donc c'est une variante de... Voilà, c'est une variante. Donc ici, dès que je trouve t du g inférieur à t du i, on va faire directement temp reçoit t du i, t du i reçoit t du g, et t du g reçoit temp. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est que si on réexplique par rapport à la méthode tout à l'heure, si on revient ici, si on compare entre 15 et moins 2, moins 2 est inférieur. Sur le champ, je vais faire le changement. Je vais faire moins 2 ici. Et 15, ça devient ici. Maintenant, je continue la comparaison entre 5 et moins 2. 5 qui n'est pas inférieur à moins 2, je ne fais rien. Moins 30 est inférieur à moins 2, donc il est inférieur. Je vais faire la permutation. Je ne vais pas attendre jusqu'à la recherche de l'indice du minimum. Maintenant, je compare entre 10 et moins 33. Est-ce que 10 est inférieur à moins 3? Non. Est-ce que 3 est inférieur à moins 3? Non. Moins 10, est-ce que inférieur à moins 3? Non. Donc ici, c'est bon, on a terminé. Je reviens ici, je compare entre 5 et 15. Est-ce que 5 est inférieur à 15? Oui. Je ramène le 5 ici. Par la suite, je ramène le 15 ici. C'est la permutation. Maintenant, est-ce que moins 2 est inférieur à moins 5? Oui. On va refaire la permutation entre moins 2 et 5. Je déplace ici. Voilà. Entre 10 et moins 2, il n'est pas inférieur. Entre 3 et moins 2, il n'est pas inférieur. Entre moins 10 et moins 2, oui, il est inférieur. Hop, je vais faire ça ici. Et moins 2, je vais le mettre à la place du 10, du moins 10. Et ainsi de suite. Vous remarquez que les éléments, ils commencent à être triés. Donc, je reviens en arrière. Je remets les choses comme elles étaient. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il était le tableau initial. Très bien. Donc, on va tester cette idée-là. Donc, c'est une permutation sur le champ. On compare et on teste. C'est une variante de l'algorithme précédent. Donc, j'enregistre, j'exécute. On va donner le même cas, on va donner le même donnée. Donc, nous avons 7, nous avons 15, moins 2, 5, moins 33. 10, 3 et à la fin moins 10. Après le tri, on va avoir moins 33, moins 10, moins 2, 3, 5, 10 et 15. Donc c'est le même résultat qu'on va avoir. C'est juste une petite variante, une petite différence entre l'algorithme de sélection, recherche et permutation en même temps. Dès qu'on trouve le minimum, recherche et permutation. Et l'algorithme de recherche d'indices, puis permutation. Puis, ça veut dire, c'est après qu'il faut trouver l'indice du minimum global de tous les vecteurs, après on fait la permutation. Donc, une question ici, si on veut faire l'ordre croissant, on cherche le minimum. Si on veut faire l'ordre décroissant, on va faire supérieur ici. Et ici, on cherche la position du maximum. C'est pas, on cherche le maximum. Ici, c'est ne plus le maximum. Donc ici, ça va être l'ordre décroissant, du plus grand vers plus petit. On va tester. On va tester avec le même vecteur. Nous avons ici la taille 7. Nous avons les valeurs 15, moins 2, 5, moins 33, 10, 3. Et moins 10. Donc nous avons 7 valeurs. Normalement, la plus grande valeur ici, c'est 15. Ça va rester à sa place. Par la suite, 10. Par la suite, 5. Par la suite, 3. Ensuite, je suppose moins 2, moins 10 et moins 3. Donc on va avoir l'ordre inverse de celui-là. Voilà, on va avoir 15, 10, 5, 3,
moins 2, moins 10 et moins 3. Ça, c'est l'ordre décroissant. Donc, il suffit de changer la comparaison. Ce n'est pas inférieur, c'est supérieur. Donc, j'espère bien que c'est clair. La prochaine vidéo, on va voir l'autre méthode. C'est la recherche et permutation. Le tri par bulle. On explique la méthode du tri par bulle. Et on va modifier l'algorithme pour que ça fonctionne avec cette méthode. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.